sous-policier qui a mouru de manière générale et son inspecteur de police que Bandi Kaksa Marouzo a pris en dans l'église et assassiné. Et par la suite, comme toutes nos vidéos qui ont circulé autour, ils ont souillé quoi. Qui s'en a dit, c'est que, premièrement, policiers, ou même tout le monde qui fait partie de la société, ils sont victimes d'insécurité, ça que nous avons vu la journée aujourd'hui. Nous, même au niveau de RNDDH, nous déjà compté 29 policiers pour Pipiti qui mourent sorti janvier pour arriver juillet 2022. Ça qui voulait dire que nous gagnons une moyenne de 4 policiers qui mourent par mois et c'est très grave. Et donc, d'abord, c'est ça, c'est que nous avons une insécurité généralisée qui affecte la police là tout. Mais à côté de la police là qui est affectée par les questions et insécurité, nous voyons qui gens et ça a été passé, c'était un événement. Et vraiment regrettable ça que passe inspecteur de police ça, surtout après nous ouais tout avec qui facilité qui arrogance que bandi yo non seulement yo non content du fait que yo prend policier yo assassiné yo allé à quoi yo souillé quoi yo raché li parce que faut que nous d'accord tout gang 400 Marouzo c'est un gang qui très sanguinaire tout yo remé raché moun en miette bosso victime yo et tout ça pour qui ça parce que encore une fois yo a de impunité et que autorité yo permet yo. Maintenant, sous ça qui gagne à question saisie de cargaison d'armes avec munitions, d'abord, faut que nous disions que dans RNDDH, nous avons suivi de manière attentionnée, avec un pile attention, tout nous t'a dit saisie ça qui a fait. Et soit au niveau de Port-de-Paix, soit au niveau de Port-au-Prince, mais nous avons suivi surtout l'enquête que la direction centrale police judiciaire a menée. Sur ça qui vient à la question des armes et munitions qui ont été saisies dans la date 1er juillet dans Port-de-Paix, comme nous connaissons, il y a eu deux personnes qui ont été arrêtées. C'était Jean Relus avec tout Jonas Georges, qui lui-même est directeur et ses propriétaires, excusez-moi, de bateau. Et nous songeons tout que nous avons un magistrat Virgile lui-même qui peut aller presser et mettre ordre de libération pour deux mouns. Premier, c'est une arrestation le 1er juillet. Deuxième, qui est propriété bateau, tu as une arrestation le 5 juillet. Et le 6 juillet, le commissaire gouvernement est en émettre ordre de libération en faveur de deux mouns. Ça t'a pas attiré l'attention. Non? Et c'est ça tout t'a pas permettre que nous allons mener enquête et nous pouvons connaître que de M. Sayo, pour y arriver libéré, il a payé $200,000 américains. Et enquête nous continue. Bon côté des CPJ, tout enquête a continué. Cependant, pour nous même au niveau de RNDDH, dans le cadre de rapport ça que nous avons fait sortir, nous demandons BAF, qui est le bureau affaires financières et économiques, pour continuer à mener enquête, pour étendre enquête tout sur les crimes financiers, parce que sous question de $200,000 américains, ça, nous avons une information que en pile mon appareil justice là au niveau de Port-de-Paix qui était arrosé par l'agence.